DJ Stéphane Bala Mwange Congo ya Lumumba Congo Ta fachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwa ngo ya ngo yo ye koki Tolanda kango Papa Stéphane Bala Mwange Oh yeah yeah DJ Stéphane Bala Mwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwa ngo ya ngo yo ye koki Tolanda kango Papa Stéphane Bala Mwange Oh yeah yeah DJ Stéphane Bala Mwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwa ngo ya ngo yo ye koki Tolanda kango Papa Stéphane Bala Mwange Oh yeah yeah DJ Stéphane Bala Mwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwa ngo ya ngo yo ye koki Tolanda kango Papa Stéphane Bala Mwange Oh yeah yeah DJ Stéphane Bala Mwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe Dans un centre Yamambo centre moko ya munene oyo Laurent Désiré Kabila salaka pour la formation ya ba militaire alors aujourd'hui Fachi beton a bongisi yango pour na bana auto bana obenga ba couleur lelo ba couleur bâtisseur alors to sala musala oyo toujours pour na bino Stéphane Bala Mwange nous ne cesserons jamais de vous informer Tangwe koki sur Tangwe koki RDC bien sûr tozawana nous continuons toujours au sala musala na olomami Kamina Toko tikati. Toko koba kaka. Toko yeba makambo. Toko sonde gaso de kalanatam. Toko ki RDC. C'est parti. Bien voilà. Bonjour Naba Congolais. Boza et Bele. Boza kota la biso. Tamwe koki RDC. Votre chaîne de référence. Alors nous sommes en direct de Kinshasa. Bomoni to se déplacé mouke à l'extérieur. Yaba studio na biso. Toujours pour les comptes. Yako informé bino. Yako lebe la bino makambozali. Kole kana République démocratique du Congo. Alors awa. A tozo pe sabino. Sito. Exacte, il y a ma Camerounais, c'est celui qui est dans la partie est. Il y a République démocratique du Congo, où il y a comme nouvelle annonce hier vers le début de la soirée. Bah, annoncé biso qu'il y avait les avancées. Il y a bah, rebelles, il y a M23 au bah, Zaliko occupé jusqu'à ce moment. Une petite partie, il y a cité à Kanyabayonga. Kanyabayonga, c'est une cité qui se trouve au niveau, il y a province, il y a Nord Kivu. Mais la totalité, il y a espace, il y a cité à Kanyabayonga, et ça entre les mains, il y a bah, M23. Il y a une grande partie, M23 va bah, occuper, mais il y avait une trahison. Il y avait une trahison, nous allons citer quelques généraux officiers, au Bazalaki de mèche avec Kigali, de mèche avec les ennemis du Congo, pour trahir cette partie de la République. Alors, vous aurez toutes les informations sur base, il y a Masolo, Tozali Kobeta, et nous allons plus axer notre réflexion et analyse dans ma Camerounais, Tozali Kolekana, est la République démocratique du Congo. Mais avant cela, nous allons faire un tour pour vous annoncer quelques actualités de l'heure. République démocratique du Congo, nous sommes déjà la RDC, la justice, le PGR de la Cour de cassation vient de répondre positivement à la demande de Nicolas Kazadi d'aller se faire soigner à l'étranger. Ce qui veut dire que la demande de la commission spéciale sollicitant la levée des mesures d'interdiction de quitter le territoire national et la confiscation du passeport a été accordée à l'élu de Moabi. Voilà maintenant autorisé de quitter le pays. Est-ce que c'est la fuite en avant? Parce que ici, Toyebi, avec ces dossiers, suite aux enquêtes, il y a Bande Konabiso, il y a Inspection Générale des Finances, les dossiers Lampadeur et les dossiers Yaba Fourage. Tu as dit que le ministère, il y a Finance, le ministère, il y a Développement Rural, Bazala qui.
dans un complot de détournement à plus ou moins 300 millions de dollars pour l'installation des forages et installation des lampadeurs. Allez, au moment où nous vous parlons, l'ancien ministre du développement rural se trouve présentement au niveau il y a prison à Makala. Et le ministre, c'est François Robota. François Robota est à Makala, mais Nicolas Kazadi est libre. Et aujourd'hui, à Komi Kobela, alors il demande une évacuation à Kenenamikili, à Bapa, à Mikili, à Potopona, aux soins médicaux. Et on nous annonce ici, le PGR, procureur général, près la Cour de cassation, a autorisé et a levé interdiction au Yobandaï Kopekisa de Nicolas Kazadi, Abimali Bandai Mbokate, pour se faire soigner. C'est aussi l'une des informations qu'on a voulu partager avec vous ce matin. Alors, une information encore. La rébellion du M23 avance et menace Kanyabayonga. Ce sera aussi l'une de grandes annonces que nous allons essayer Yakoulubila. Ligne de front à Sake, une ville stratégique à 20 km de Goma, dans le Nord Kivu. C'est ici qu'on les a battus. Ici. Le M23 était ici. On les a frappés et délogés. On a continué jusqu'à Kimuka. Les Wazalendo, les patriotes en français, comptent parmi la dizaine de groupes armés actifs dans l'est du pays. Depuis plusieurs mois, ils combattent les rebelles du M23. Ils affirment avoir repris le contrôle de cette zone avec le soutien de l'armée congolaise. Depuis 2022, un décret autorise ici l'alliance entre militaires et groupes armés. Heureusement que le gouverneur militaire nous aide de temps en temps lorsque nous sommes dans les opérations militaires. Tous ces soutiens nous ont permis de tenir nos positions. La cité est considérée comme le dernier verrou sécuritaire de Goma. Alors pour éviter qu'elle ne tombe aux mains de l'ennemi, les jeunes Wazalendo patrouillent en permanence. On fait une ronde tous les matins et d'autres prennent la relève dans la journée. Nos responsables nous encouragent et on prie Dieu pour qu'il nous donne la force de combattre sans être terrassés par la fatigue. Vous pensez pouvoir tenir ? Oui, nous allons tenir, parce qu'on a laissé nos femmes et nos enfants, c'est pour eux qu'on se bat, qu'on défend notre terre. Le problème, c'est quoi dans la partie est de la République démocratique du Congo ? Ici, le président rwandais Paul Kagame, dans une chaîne étrangère, vous le savez, au niveau des France 24, c'était le week-end passé. Et aujourd'hui, ça totalise déjà plus ou moins 7 jours, c'est depuis le vendredi de la semaine passée. Il a annoncé publiquement qu'il est maintenant prêt avec son pays, il y a aussi la guerre, la République démocratique du Congo. Il est prêt du côté militaire, il est prêt du côté dans le contexte Nyonso Kagame qui est basé déjà à Kobungama pour attaquer la République démocratique du Congo. Bah, indice il y a Liboso et Zola qui sait que Kagame ne mangeait pas, ne faisait pas de jeu, que Kagame a bandai koye ba makamba kuloba. Déjà le jeudi, le dernier jour, il y a ba session, il y a examen d'état au niveau des Masisi. Tomoni, les élèves finalistes, après avoir consigné ça, dernier jour na bango examen d'état, il y a l'armée rwandaise et attaqué une école, un centre, il y a examen d'état, va bombarder 34 finalistes congolais, élèves congolais, finalistes congolais, va koufi après la bombe lancée par le M23 et militaires rwandais. Et après là, c'était le jeudi. Et hier, c'était le vendredi, vers 17h, 18h, nous avons tous vu l'entrée des rebelles accompagnés des militaires rwandais. Et de l'autre côté, il y avait des IPDF. Là, ce sont des militaires ougandais. On va accompagner l'entrée et l'occupation des M23 au niveau Yacité, Yakanyabayonga. Là, c'était hier. Alors, le problème, c'est quoi ? Au niveau des Kanyabayonga, il y avait la présence des FARDC et des Wazalendo. Mais aujourd'hui, il y a un problème au Ezali qui s'est posé sur le terrain. Comment expliquer qu'il y a un gouverneur militaire dans une province qui est sous état de siège, la province du Nord Kivu? Comment expliquer la province de l'Ituri avec les Kodeko, avec les ADF Nalu et autres? La province de l'Ituri, le gouverneur militaire Luboya Kanchama,
maîtrise quand même sa province, maîtrise quand même la situation. Il y a une paisibilité installée dans les différents territoires au niveau de la province de Ituri. Mais il y a un très sérieux problème avec les infiltrés au niveau de l'armée congolaise au bas dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous serons trop et trop directs. Nous, la presse congolaise, et surtout nous les patriotes, nous les Congolais, nous serons très directs au président de la République, à tous nos services de sécurité, au nouveau ministre qui est considéré comme le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Mwadiambi Tabouche à la Bouamba. Il faut essayer de rappeler tous les officiers et généraux responsables au niveau de la ligne de front dans Nord Kivu. Parce que trop, c'est trop. Il y a la présence de Chirimwami comme gouverneur militaire par intérim. Il y a la présence du général Fall comme chargé des opérations dans des territoires comme ça, Masisi et Rutshuru. Il y a aussi les chargés d'opérations, le général Chikochi Tambwe. Alors, nous ne maîtrisons plus la situation. Sur terrain, qui fait quoi? Quelle est la responsabilité de tous ces généraux? Ici, maintenant, laissez-nous vous annoncer et vous confirmer au niveau de Sake. La grande partie de la localité de la cité de Sake est contrôlée par les Ouazalendo. Ce sont les Ouazalendo qui assurent la sécurité de Sake. Et à la porte de Sake, il y avait déjà les rebelles du M23. Mais Oyoba Komaki n'a compétence de ravir à Kinshasa ou encore de ravir aux Congolais la cité de Sake. Parce que les Ouazalendo sont plus patriotes aujourd'hui, plus que même certains généraux au bas dans la ligne de front. Les Ouazalendo, officiellement parlant, Bazalaka Payete. Officiellement parlant, Bazalaka Payete. C'est avec l'entrée de la nouvelle première ministre Judith Tuluka qu'on a aligné na kati ya budget où il y a 18 milliards, il y a République démocratique du Congo, il y a aussi une part des Ouazalendo au Bandako mettre à leur disposition pour des munitions, pour des rémunérations, pour des encouragements. Mais jadis, avant, il n'y avait pas l'enveloppe aux Ouazalaki disponible pour les Ouazalendo. Les Ouazalendo Bandako sala mosala na bango bénévolement. Mais tout le monde a dit que la mosala gratuitement, que la mosala avec un rendement sur le terrain et que c'est pour les Congolais, mosala au Bawazalin de Bawazala. Mais tous ces généraux au Bazana Est, que tu as immeuble dans Kinshasa, que tu as un bilo caminé, que circuler avec des jeeps, avec des trucs un peu trollix à Kinshasa. Mais au niveau de front, et nous remarquons aujourd'hui une complicité de certains généraux que nous allons citer. On nous cite un certain général au niveau de Kanyabayonga, général soi-disant Kabwini, général Kabwini au niveau de Kanyabayonga. Elle est l'un des généraux Oyo à côté ici. Parce que si nous voyons la situation de Rwindi, Rwindi, il y a 3 mois passés, la localité de Rwindi est occupée par les rebelles M23. Qu'est-ce qui s'était passé? Au niveau de Rwindi, il y avait Chikochi Tambo sur place. Il y avait aussi la présence d'une base militaire de la MONUSCO. Ils sur place dans Rwindi. Qu'est-ce qui s'était passé? Dans Rwindi, lorsque la MONUSCO quittait déjà l'espace, la cité, et la MONUSCO a laissé la place aux rebelles du M23 pour venir occuper les différentes bases jadis, yaba MONUSCO, ya ONI. Et c'était aussi le même problème au niveau à Kanyabayonga. Donc, nos généraux propres, il y a armée congolaise, c'est eux qui sont à la base, il y a entrée, on voit une déclaration de Willy Ngoma. Willy Ngoma a fait la déclaration que nous prenons possession, il y a Kanyabayonga. Alors, il y a une distraction parce que Tolobi, il y a une armée numérique rwandaise en place en République démocratique du Congo pour déstabiliser même la conscience à Bissoba Congolais. Kanyabayonga Mobimbate est tombé entre les mains des rebelles. Kanyabayonga Mobimbate, juste une petite partie à l'entrée et de l'autre côté déjà M23 Bazala qui est présent. Et tant que c'est juste à la porte.
juste à la porte. Alors, nous disons, la FARDC et les Wazalendo, il faut pas prendre en cause ce que nous faisons. C'est très important. C'est très et très et très et très et très important parce que ça commence un peu à décourager bon nombre de Congolais. Ça commence un peu aussi à créer des scandales, à la déstabilisation, des conscientisations. Il y a des Congolais sur place. Aujourd'hui, Kagame dit qu'il est prêt pour la guerre. Tomonipe Azali ko avancé. Alors cela montre à la face du monde que Kagame est plus fort que nous, la République démocratique du Congo. Or c'est non. Or c'est non. L'armée rwandaise n'a pas la capacité de l'armée congolaise. Le M23 n'ont pas la capacité de l'armée congolaise. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les M23 va évoluer, que les M23 va avancer, que les M23 va avoir possession. Parce qu'aujourd'hui, les M23 occupent la cité de Bounagana. Il y a de cela 2 ans et demi depuis que les M23 sont du côté de Bounagana, appuyés par l'armée ougandaise, appuyés par l'armée rwandaise. Basali qui occupait ma position à Bissonon Soana, ça pose problème. Alors Kinshasa et Lobini, parce que ça crée des polémiques. Batoba Koloba que Tshisekedi ne réagit pas, Tshisekedi a Koloba te, Bali qui avance, Bali qui occupait ma cité à Bissonon, Tshisekedi ne parlait pas, non. Tshisekedi ne parlait pas, non. Ici, nous sommes dans une stratégie où est-ce que ça la que dans le tout prochain jour, il y aura des répliques, il y aura des ripostes. Parce que les Wazalendo sont déjà autorisés de faire quelque chose. Mais c'est au niveau des FARDC, oh, Bissot Olingi, hein. Pas rappeler Nanouna Kinshasa, pas rappeler Chilimouane, pas rappeler le général Fall, pas rappeler le général Chikochi Tambwe, pas rappeler Bangolo sur la Kinshasa. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le Conseil supérieur de la défense? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans l'état-major général? Il y a FARDC. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le ministère? Il y a défense. Bah rappeler ma généraux Nyonso Baza au niveau de la ligne de front, dans la ligne de bataille, dans la ligne de combat, dans la République démocratique du Congo, là où il y a plus de l'insécurité. Bah rappeler Bango. On peut aussi faire des changements, des mutations. On peut aussi déplacer certains généraux. Bon déplacer les bisous Chikochi Tambwe. Bon tindaye na Kasai. Bon déplacer les bisous général Fall. Bon tindaye na Équateur ou encore na Sidoubangi. Prenez des généraux comme le général John Chibango. Chama Sanka, bon so ba mousso ne ban gelou ne ba santou. Boutinae du côté à est. Prenons des généraux. Au même bazan la kisasa. Batina bango kuna prenons des généraux qui sont au niveau à Congo central, Nakito, Nanabaki. Batina bango kuna. Prenons des généraux au baza au niveau. Ya Congo central. Lambanzamou. Tinda bango kuna, c'est très important. Parce que ça pose problème. Aujourd'hui, l'Angola est derrière le Rwanda. Nous sommes déjà informés de toute planification au niveau de Luanda na Angola. Même Congo-Brazzaville qui est en face de nous est ensemble avec le Rwanda. L'Ouganda n'en parle même pas parce que le papa de Kagame est au niveau de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Nous sommes entourés par plusieurs nations, par plusieurs pays qui sont considérés comme le premier ennemi de la République démocratique du Congo. La Mukana, non. Moi j'ai dit la première ministre Toulouka au Ebisaki Bisso parmi les 6 piliers na yo. Pendant tout le temps au cause la première ministre dans Congo au Ebisaki Bisso la paix au Ebisaki Bisso les sociales parmi les 6 piliers na yo makambo na tangeza na kati. Ce sont même parmi les priorités des priorités, il y a 6 piliers na yo. Mais déjà Kokota au seul même pas un mois Kanyabayo m'a tombé. Kanyabayo a tombé, même pas un mois. Ça pose problème. Mais laissez-nous vous dire, il y a une assurance aux autorités, bah, Fessibisson à Tongo, les Wazalendo, bah, ça déjà en marche. Et aussi, le FARDC, il y a une permutation. Il y a certains militaires qui quittent certaines zones pour essayer d'aller
renforcer Bandeko Moussoubaya de l'autre côté et ça va payer. Alors, merci beaucoup la bande de colons sur Batali Bisso. Nous allons faire un petit tour du côté de Olomami, là où se trouve Stéphane Balamwangé. Il a toujours na pèlerinage, il a toujours na safari, na yazali kotambola na Congo Mobimba pour travailler pour le pays. Ainsi de suite, nous allons faire un tour là où il est et comme ça, la suite c'est après. Voilà, Bozali, Tozali na gare Yakanyamakasese. Nous sommes dans la province du Olomami. Bien sûr, chef-lieu, ce Kamina. Alors, c'est là où nous sommes. L'autre fois, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était le jeudi à Lubumbashi, à Lansaki, train et à service national. Le train et à service national, et Zosala Moussala et Amakasi. C'était plus de 40 wagons couverts, 40 wagons fermés, ouverts et fermés plutôt. Plus de citernes, il y a une citerne, il y a service national et il y a un carburant. Carburant et il y a un carburant à engin et il y a un biloko et belé pour ravitailler le service national. Et là où nous sommes à 30 km d'Abisika, Toché Kijé, il y a service national. Chers compatriotes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un visionnaire, un vrai leader, il aime bien ce pays. Le service national, on est allé comme on angoana. Et Ali Kosala Moussala Moko Yamakasi, hier c'était difficile pour na comme ma carburant boyé, mais aujourd'hui le service national se suffit, vie, volonté politique au Félix Tshisekedi Zanango avec un vrai manager à la tête de service, général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Les enfants, vous avez suivi sur votre chaîne, sont dans de bonnes conditions, ils vivent normalement, ils sont bien traités et ils produisent maïs na grande quantité. Chers compatriotes, le grand Katanga, le grand Kassai, servi en termes de maïs, même Kinshasa, au moment où je vous parle, cette année, c'est plus de 17 000 tonnes, 16 000 tonnes plutôt. Waouh, quel miracle! Et imaginez qu'une dame de 27 ans, Ndemutoazo Kumba Trebozomo na Yangulupa Oyo. Une dame de 27 ans à Lungwe Lubumbashi le vendredi et aujourd'hui Aza Awa Aeko Salamoussal. Et ce qui a Sidisi Awa Azongi Lissous Lubumbashi. C'est pour vous dire que main-d'œuvre Eza, hier Kuluna, aujourd'hui main-d'œuvre de qualité, après avoir fait un tour de 4 mois en Afrique du Sud pour suivre une formation appropriée pour Nako Kumba Train. Bande Konangai, attendez, nous avons 5 ans à l'université. Bazo expliquer nga ko combattre na zo comprendre kakate mais hier zo bête là dada dans 4 mois a sali miracle. Félix Tshisekedi Oumela, vous êtes un papa vrai pour ce pays, un visionnaire attitré, vous êtes un vrai leader pour ce Congo. Le Congo a besoin de la volonté patriotique pour amener les choses plus loin et au moment où je vous parle, service national a collé sa Congo netina tembe netina film. Chers compatriotes, Stéphane Balamwangé, je suis toujours là. Ah oui, je pense à Patricia Tshisekou qui me suit depuis Kinshasa, sans oublier Joyce Mujinga et pour ne pas citer aussi, oui, mon habilleur de luxe, Chris Mader, oui, Big Mama, Oyo, Amesala toujours, Kosungabiso, Namusala, Toali Kosala. Chers compatriotes, Chris Mader toujours, Chris Mader toujours, hier, aujourd'hui et éternellement. Chris Mader toujours. Chers compatriotes, Toali Kosala Moussala pour la Congo, et bon, mes kakotala makamoto Moussala, et ça fait énormément du bien. Merci. Ah oui, c'est le service national. DG Stéphane, Balamwangé, Congo ya Lumumba, Congo, la fachi béton, tangwe koki yo yo yo, tangwango yango yo e koki, tolanda kango, papa Stéphane, Balamwangé, oh yeah yeah.